par contre. Le stun est suffisant, je pense, pour mettre une engage. Le stun qui va être touché. Le flashing de la part de Double Leaf. Le flashing aussi de la part d'Afromo. Est-ce que l'ulti va permettre de récupérer le kill? Le barrel, la doigt attaque de Lani. Et l'ulti qui va être claqué. Qui a fermé en gros, j'avais compris, il se fait agresser, il a eu très cher le burst qui va sortir de la part de ce Thresh et de ce Lucian, le T-Burst qui va être utilisé. En fait, les SLG qui se retournent, ils vont pas cesser à battre. L'Exos qui est bien utilisé, le Shield de la part de Damalik qui va permettre de s'en sortir. Un kill récupéré, peut-être un deuxième kill, et ça va être un double kill de la part des SLG. On voit par contre Manfa qui a décalé, qui va peut-être réussir à prendre un kill sur Afromo qui n'a plus rien. Oh, l'ulti qui a été raté, donc il n'y a pas assez de dégâts. Quel dommage, très belle gestion de la part d'Afromo. Très puissant parce que. Pas vraiment. Oh là là, oh, ça agresse déjà le level 1. La mid lane, on voit Void Boy, oh, le flash Shin. Attention, oh, le coup de tour, tour. Contre, il va revenir, le coup de bidon qui va prendre le kill. Boulder qui prend le first blood. Mais ça va, le Lignite qui passe. Le flash shot, crack est parce qu'on fait. Oh, bon, oh, flash l'esquive du cocon avec ce flash. On prit la vision. Voilà, il met la lanterne. Il a enlevé son Q. Il a qui se fait grave, mais c'est vraiment pas la cible qu'on cherchait à voir. De toute façon, qu'il a un ange gardien, c'est un Eiton, on le rappelle. Hein. Ils veulent vraiment pas tomber en premier. Ah oui, de bien qui s'est fait un peu catch. Son ulti qui est parti, mais il est mort instantanément. Alistar qui va tomber aussi. Zeken qui va mourir. Ilopit qui est bien positionné. Il y a un ulti sur Quas. Est-ce qu'il va utiliser son ulti? Non, il ne l'a pas utilisé. S'il l'utilise enfin, il va faire très mal. Toubé qui va tomber. Ilopit qui est très low HP. Inox qui va peut-être mourir. Est-ce qu'il y a encore son GR là? Mais non, il meurt. Très beau flashy de la barre. Ilopit. Link qui agresse aussi The Spartan. Qui a son flash. Pour le rattraper. Est-ce qu'il va réussir à concrétiser? C'est le kill Link. Attention, l'arrivée de Nintendo X, c'était peut-être pas prévu. L'araignée qui va sur le macaque, c'était pas prévu non plus, je pense. Elle donne l'auto-attaque pour prendre le kill. Et le Farzood récupéré par les têtes du Dex. Le stun, le flash stun, l'ultimate de Shift par-dessus, c'est le flash shot sur Double Leaf, le kill qui est récupéré sur Daydreaming. Le kill aussi récupéré par Shifter, on a le reset, on chumpo sur son AD carry, Link qui continue à agresser, l'ultimate de Ziggs. Et ça va prendre le kill sur Whis qui craque la barrière, est-ce que ça va passer? Oui, l'araignée, les 300 gueules récupérées par Link, Shifter qui se fait encercler. Il va mettre un ulti pour bien temporiser, attention Shifter qui prend extrêmement mal et qui va tomber instantanément sous les coups de Nin et de Afromo. Ils prennent très très cher déjà deux kills côté de SLG. La Alice qui va tout de même tomber sous les coups de Saint Spartan. Il est toujours présent dans ce fight, il fait extrêmement mal. Il s'est fait, il a même flashé au milieu de Saint Spartan et de Nintendo Jax. Double League qui est présent. Est-ce qu'il va oser aller dans le fight? Il prend quand même pas mal de dégâts du Nashor. Attention, il a pas son flash de Double League. Attends, le flash in de la part de Afromo. Ah, il était présent dans le niveau de la bot, il s'est vraiment pas engagé. Le Titanic qui va partir. Le Titan Ezreal qui va faire très très mal. Est-ce que ça va réussir à concrétiser le kill X-Special qui lui est parti sur Sneaky? Le Tick qui va toucher Sneaky qui va faire extrêmement mal. X-Special qui va stun et qui va réussir à prendre le kill. Peut-être le T-Burst qui ne va pas dans la bonne direction. Le Q-Spell qui va toucher. Le Firebird récupéré par White Turtle. Très 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 bien joué. Ça va poursuivre. C'est peut-être un petit peu risqué. Et le flash out de l'Emotion. Ah, attention par contre, là, l'engage part de l'Emotion. Sur X-Special qui prend très très cher. Métos qui va ulti par-dessus. Est-ce qu'il va faire suffisamment de dégâts? Il va se faire ulti. Il va se faire instant dépop par Bjerzen. Ça, le fight qui se poursuit, l'Emotion qui va un petit peu trop loin et qu'il va mourir. Double Q pour Bjerzen. Le flash chin de la part d'X-Special qui permet de stun le carry des Cloud9.